Bonjour, Guillaume Gouraud. Donc, je suis cofondateur du studio de développement Darkworks. Darkworks est à la fois développeur de jeux et fournisseur de technologie sur le marché du jeu. Et aujourd'hui, nous sommes à l'IDEF en partenariat avec notre partenaire Triovis, avec lequel nous mettons sur le marché une solution relief qui marche sur les écrans 2D et sur les écrans 3D. Voilà. D'accord. Donc effectivement, cette technologie avait fait son apparition, si ma mémoire est bonne et je ne dis pas de bêtises, la première fois sur l'édition of the Years de Batman. Nous l'avions noté d'ailleurs très positivement dans ce domaine. Et par contre, c'est cette technologie justement qui est utilisée est peut-être trompeuse par rapport à la manière dont elle fonctionne, parce qu'elle utilise deux couleurs, mais ça n'a rien à voir avec ce qui existait avant. Ça n'a rien à voir, on utilise vraiment les informations 3D qui sont dans le jeu. Donc on a la possibilité, si on fait une mise au point sur un personnage ou si on a un combat embellé contre plusieurs adversaires, à chaque fois qu'on va regarder un adversaire, on aura une mise au point qui sera dynamique. Voilà, ce qui n'est pas du tout le principe du système rouge et bleu, qui est complètement archaïque. Archaïque et même pire, parce que ça n'a jamais donné une image aussi nette. Donc là, vous avez la conservation des couleurs, on conserve la résolution. Beaucoup de jeux qui sont en 3D, qui utilisent un système de deux caméras, voient leur résolution complètement divisée par deux, quasiment. On garde également le framerate. Donc la technologie a quand même des gros avantages pour les joueurs. Donc par exemple, tout simplement, dans certains jeux, du fait de la descente de la résolution, vous ne pouvez plus lire le texte qui est dans l'interface. Donc voilà. Donc c'est le même système est utilisé, donc Inficolor, via des lunettes super abordables qui vous permettent à jouer à tous les jeux qui utilisent cette technologie. Vous pouvez jouer aussi bien sur votre télé HD normale et plus tard sur votre télé 3D. Donc le même jeu est capable de s'activer sur les deux. Vous regardez la résolution, donc si un jeu est en 1080p, il restera en 1080p. Exactement, vous avez des jeux qui se sont essayés au relief, qui ont voulu garder la résolution, donc qui ont détérioré leur contenu. Des jeux de course un peu futuristes, je peux pas citer le nom, et qui sont obligés de faire un compromis. Ici, vous n'avez pas de compromis. On intervient un petit peu à n'importe quel moment du développement du jeu et on permet au jeu de rester intègre. Et les gens qui n'ont pas les lunettes ne sont pas plus dérangés par l'effet des filtres colorés. Donc si à terme on est dans des jeux multijoueurs, on espère bien être dans des jeux de foot, deux joueurs sur quatre pourront ne pas avoir de lunettes et ne pas être gênés. Donc Ça c'est vrai, j'allais y venir parce que justement en regardant l'image qui était juste derrière vous, sur le moment, c'est pas flagrant qu'il y ait effectivement un effet 3D ou pas, il n'y a que quand les lunettes sont mises sur les yeux que là tout d'un coup on se dit waouh, c'est vrai que ça surprend. Par contre vous avez dit, vous intervenez, c'est-à-dire que les gens 3D, souvent quand ils ne sont pas développés, ont un module de sortie 3D, vous fournissez un SDK pour que les développeurs puissent l'intégrer à fond et vous les aidez pour ça, c'est ça? Exactement, on fournit une solution qui est dans le moteur de jeu, ce qui offre beaucoup d'avantages, c'est parce qu'on est dans le jeu, donc on a toutes les informations qui viennent du jeu. Donc par rapport aux solutions PC qui utilisent des cartes 3D, on définit un peu la zone dans la scène dans laquelle se trouve le relief. Le personnage va venir au même niveau du plan et donc là il va être bien traité, mais nous c'est complètement dynamique. Si je fais une mise au point, je zoome sur un ennemi, le focus va être sur lui et l'effet de relief va être sur lui. Je relâche le zoom, je me mets sur quelqu'un d'autre. Tout ça c'est dynamique parce qu'on est in-game. Voilà. Et donc c'est l'avantage d'une solution software connectée dans le moteur de jeu et c'est un peu difficilement battable. Donc voilà, on garde la résolution, on garde le framerate, on garde les couleurs. On est compatible avec télé d'aujourd'hui. Les modes qui commencent à arriver et qui sont assez. Qui commencent à devenir malgré tout populaires, et l'initiative de Sony de sortir une télé 3D, je pense, est assez positif. Voilà. Donc voilà, mais les gens n'ont pas à attendre, ils peuvent jouer dès maintenant, et je pense que c'est ça qui est cool. Et c'est un vrai relief. Il y a à peu près une dizaine de jeux qui vont sortir. Là, on peut parler que des jeux qui sont. Déjà signés. Pas signé mais sorti. D'accord. Donc on l'a vu, il y a Thor, il y a Enslaved, il y a Green Lantern qui va arriver et surtout Captain America qui est ici en exclusivité. Il y a de très gros jeux Core Gamer qui vont sortir. C'est vrai que pour l'instant il y a eu beaucoup d'intérêt de la part des gens qui possédaient des licences de films qui étaient déjà eux-mêmes en sortie cinéma relief et qui voulaient poursuivre cette expérience même dans le jeu. Et donc voilà, mais ça a pris. Des gens comme Rocksteady ont quand même aimé la technologie, c'était quand même un label de qualité pour nous. Et même Ninja Theory Enslaved est un super jeu.
Donc voilà, on a passé la phase des early adopters et maintenant on sent qu'on va avoir des grosses références internationales qui vont sortir avec cette technologie. Ben, on vous le souhaite. Qui est une technologie française.